petit poney, mon petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney, vers l'horizon tu nous conduis. On a sur le temps, où ça vous sauve, oui tu nous enchanteras. Mon petit poney, près de toi nous serons là, près de toi. Pauvre de moi, première partie, écrit par Gordon Kent. Monsieur, tout va mal, reviens tout de suite. Où es-tu, misérable créature? Oh là là, ouf! Oh, encore lui! Oh, tu ne t'échapperas plus, est-ce que ce porte-poids? Oh, mes chéris, que vous êtes belles, que vous sentez bon aujourd'hui. Ça alors? Mais qui êtes-vous? Il m'arrive une chose affreuse. Je suis poursuivie par un alligatosaure. Vous savez où je pourrais me cacher? Juste le temps qu'il s'en aille. Cachez-vous dans les fleurs. Au fait, qu'est-ce que c'est au juste un alligatosaure? Je crois que vous n'allez pas tarder à le savoir. Tu n'aurais pas vu passer un petit freluquet en guenilles par hasard? En es-tu bien sûr? Bien sûr, puisque je vous le dis. En plus, je me demande ce qu'un gros bonhomme comme toi peut bien vouloir à un petit freluquet, comme tu dis. C'est injuste, vous devriez avoir honte. Pourquoi ne cherchez-vous pas quelqu'un de votre taille? Si je se cache dans le coin, vous finirez bien par le rencontrer. Sinon, estimez-vous heureux, car il pourrait vous causer de gros ennuis. C'est sa spécialité. Ça va? Oh, très bien, merci. Sauf une petite douleur tout à fait désagréable à mon gros orteil. Vous êtes blessé? Non, c'est rien du tout. Les alligatosaures sont très lourds, mais leur poids est réparti sur quatre pattes. Ça va très bien. Oh, attendez! Vous ne pouvez pas partir comme ça. Si vous me connaissiez bien, vous me feriez partir plus vite. Vous voyez, j'abîme tout. Partout où je suis, ça va mal. Oh, moi, je croyais que c'était l'œuvre du gros alligator machin. C'est exact, mais c'est de ma faute s'il est venu ici. La malchance me poursuit partout. Je suis maudit. Arrêtez donc de vous mettre ces idées dans la tête. D'ailleurs, on vous garde avec nous. Pas de si. Oh. Et de et. Pas de mais. Voilà, vous restez ici quelques temps pour vous reposer. Ensuite, vous repartirez quand vous voudrez. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas bien qui je suis. Allez, tonton, tout va mal. Dites oui, s'il vous plaît. Restez vous reposer un peu dans notre maison, vous y serez bien. Quand vous vous réveillerez, on vous donnera des gâteaux au gingembre et du lait. Des gâteaux au gingembre, ça? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils n'ont pas le même goût que d'habitude. Ça y est, ça recommence. D'abord, les gâteaux changent de goût, puis boum! C'est la maison entière qui s'écroule. Ne dites pas de bêtises. Vous feriez mieux de vous reposer. Je vous avais prévenu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas blessé? Non, nous ne sommes pas blessés, mais nous avons eu très peur. Alors on va être obligés de dormir dehors? Bien sûr que non. On trouvera un endroit dans le village avec mascarade. On dirait qu'il y a quelqu'un. C'est sûrement Monsieur Tout va mal. Regarde! Il ne bouge plus. On dirait qu'il est... Gatcham! Ah non, il est vivant. Il faut le sortir d'ici. Bonne idée. Alors maintenant, vous avez compris qu'il vaut mieux me laisser partir? Je ne sais pas. À mon avis, le toit menaçait de tomber depuis longtemps. C'est une coïncidence. Arrêtez d'avoir une si mauvaise opinion de vous-même. Allez donc vous reposer un peu et ça ira mieux après. Vous allez peut-être enfin pouvoir nous expliquer pourquoi cette espèce de créature géante vous poursuivait aussi férocement. J'ai traversé son village et j'ai tout démoli sur mon passage. Oh, allez,
Vous avez sûrement fait autre chose dans votre vie que de produire des catastrophes à longueur de temps. Je vais tout vous expliquer. Ça a commencé quand j'étais très jeune. Ah oui? Racontez-nous. J'habitais dans un magnifique jardin tropical. Les arbres et les plantes étaient tous plus beaux les uns que les autres. Un jour où je me promenais avec mes deux copains préférés, l'un d'eux l'a découvert. Regardez cette vieille sorcière! Venez, suivez-moi, j'ai une idée géniale! Hé, attendez-moi! Oh, allez, elle ne pourra pas nous faire de mal! On va lui faire une bonne blague! Tu vas voir, on va la faire tomber la tête la première dans sa potion magique. On va bien rire. Bon, d'accord. Attendez-moi, je viens avec vous. Ils ne veulent pas me fiche la paix, hein? On dirait qu'ils cherchent la bagarre. Eh bien... Alors tu as compris. Toi, tu trouves quelque chose pour la distraire et nous, pendant ce temps, on renverse son chaudron. Et faites attention. Ne faites pas de mal à mes confrères. Du coup, je me retrouvais avec elle en train de nager dans cette horrible breuvage. Ce n'est rien. C'est seulement le mur qui est tombé. De toute façon, il faisait trop chaud dans cette maison. Allez, venez, il ne nous reste plus qu'à trouver un autre endroit pour dormir. Je pourrais peut-être finir de vous raconter mon histoire. On verra ça une autre fois. On en a eu suffisamment d'émotions pour cette nuit, vous ne trouvez pas? Si je reste ici un moment de plus, la maison paradis ressemblera bientôt à tout sauf à un paradis. Dieu merci, il dort profondément. Bon, ça au moins c'est resté accroché. Peut-être bien que ma malchance m'a quitté pendant un moment. Oh! 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 Bourrasque, Sorbet, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Touvamal a disparu, on ne le trouve plus. Allez, dites-vous bien que s'il était resté ici plus longtemps, notre jolie maison paradis serait vite devenue un affreux chantier. Tu ne veux tout de même pas dire que ce bonhomme malchanceux... Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout ce qui compte, c'est qu'il est blessé et qu'il a besoin de nous pour être soigné. Allez, venez! Je sens que si elle ramène cet individu, il nous faudra reconstruire la maison paradis tout entière. Reviens, petit clochard, reviens, nous sommes tes amis. Pas du tout, je vais vous nuire, vous allez me maudire. Chez nous, petit clochard, chez nous, tu joueras avec nous. Croyez-moi, c'est une erreur, je pourrais vous porter malheur. Je veux bien rester ici, mais vous risquez beaucoup d'ennuis. Partout où je passe, tout le monde fait la grimace. On t'aime, petit clochard, on t'aime. Surtout ne t'en va pas. D'accord, d'accord, c'est dit. Je vous dis merci, assez de chichi. Juré, promis, je reste ici. Merci beaucoup. Et oh, devinez qui est revenu. Il a sûrement rapporté avec lui sa malchance. Ne dis pas de bêtises, la malchance ça n'existe Comment pas. Comment peux-tu dire que ça n'existe pas? Notre maison paradis ne s'est pas effondrée peut-être. Tu vas me dire aussi que le soleil est en carton et que toi tu es la reine d'Espagne. C'est vrai que la maison s'est écroulée, mais personne n'a été blessé. Ce n'est donc pas une catastrophe. Sorbet a raison, je suis la malchance personnifiée. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder. Oh, ça ne veut rien dire.
Cet arbre était très vieux et complètement mangé par les termites. Mais je porte malheur, croyez-moi. Rentrez vite à la maison, les bébés. C'est trop dangereux de se trouver au même endroit que Monsieur Tout va mal. Oh, 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 il est fichu. Ça ne sert à rien. Accroche-toi, incognito. Ça va aller maintenant. Tout va très bien, petit. Mascara t'a sauvé, il n'y a plus aucun danger. Tout ira bien. Rien ne pourra plus aller bien jusqu'à ce que cette malchance ambulante s'en aille. Je suis désolée, monsieur, tout va mal, mais tu sais que c'est vrai. Ça ne fait rien, Sorbet. Personne n'a été aussi bon pour moi que vous, et pendant aussi longtemps. Mais il faut que je parte avant que vous ne commenciez à me détester. Ça n'arrivera jamais. Je m'en vais maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je pars avant que vous me chassiez. Pourquoi partir? Pourquoi t'enfuir? T'as pourtant donné notre amitié. Mais si je pars pas maintenant, il sera beaucoup trop tard. Quoi que je fasse, j'ai toujours tort. Sois pas têtu, sois pas obtus, s'il te plaît, reste encore. Parfois je me dis, je reste ici. Décrispe-toi, ça s'arrangera. Nous t'aimons maintenant et nous t'aimerons plus tard. Advienne que pourra. Vous le jurez? Croix de bois, croix de fer. Oh chouette, génial, je reste. Ça ne sert à rien. Mais je ne vois pas pourquoi on doit tous en souffrir. Il y a sûrement un moyen de l'en sortir. Seigneur, on dirait qu'il y a eu un incendie. Monsieur, tout va mal, où es-tu? Oh! Monsieur, tout va mal. Je t'en prie, descends, tu pourrais te faire mal. Ça ne sert à rien. De toute façon, je me ferai mal n'importe où. Je veux vous éviter des malheurs. Je vous en supplie, allez-vous-en. Oh! Vous voyez? Non, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que ça t'arrive, tout ça? La dernière fois que j'ai tenté de vous raconter, le pays des poneys s'est effondré. Je frémis à l'idée de ce qui pourrait arriver cette fois. Oh, finis ton histoire, s'il te plaît. Bon, voyons voir. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, je me souviens. Je me trouvais là, face à face avec la vieille sorcière, trempant dans son chaudron dans lequel j'étais tombée. Mes amis n'étaient pas en état de m'aider. Non! Même s'ils l'avaient voulu. C'était un accident. C'était un coup de pas de chance. Ces choses-là m'arrivent toujours à moi. Est-ce que ça aiderait les choses si je vous disais que je suis désolée? Désolée? Tu n'as pas encore commencé à te désoler. Tu dis que la malchance te poursuit. Tu pensais être maladroit. Eh bien, tu vas vraiment savoir ce que c'est. Le monde deviendra un lieu terrifiant pour tous ceux que tu approcheras. Tous les porte-bonheurs du monde ne te serviront à rien. Car tu as attiré sur toi les nuages noirs du malheur. Ton avenir sera marqué par sa noirceur. Mais si un changement s'opère en toi et que tu commences à croire que tes actions sont vaines et vraies, le noir nuage disparaîtra à jamais. Le soleil brillera de nouveau sur toi. Ça lui donnera une leçon. Un sort. Elle m'a jeté un sort.
Si vous l'aviez vu, il a envoyé cette vieille sorcière dans son chaudron et sa potion. Oh, pas vraiment, ce n'était qu'un accident, idiot. Allons, allons, mon garçon, tu es un héros. Non, c'était juste... Vous croyez ? Absolument. Cette sorcière dans son chaudron. On ne s'amuse pas impunément avec les sorcières. Allez, va-t'en, vilain porte-malheur. Je crois que c'est vrai, je suis un porte-malheur. Tiens, peut-être que ce trèfle à quatre feuilles va arrêter ma malchance. Le voilà, c'est lui qui nous porte malheur. Monsieur tout va mal, tout ça c'est de ta faute. Il ferait mieux de t'en aller avant que la ville entière ne soit inondée. Jusqu'à maintenant, les gens ne voulaient voir de moi que mon dos quand je m'en allais. On sera toujours tes amis, monsieur tout va mal. Nous, on croit pas au mauvais sort. Vraiment? Mais peut-être que tu te culpabilises un peu pour ce qui est arrivé à la sorcière. Peut-être bien. C'est toi qui as attiré toute cette malchance. Comment? Tu crois qu'elle va se manifester et elle se manifeste. Si tu arrêtes de le croire, ta malchance s'arrêtera aussi. C'est peut-être ça qu'elle a voulu dire, hein, la sorcière. Ton attitude négative t'a apporté cette malchance. Elle a même créé ce petit nuage noir. Et quand quelqu'un te prenait en pitié et voulait t'aider, tu pensais que ce serait mauvais pour lui. Et c'est ce qui se passait. La sorcière a seulement ranimé toute ta peur. Peut-être que si tu croyais en toi, il ne t'arriverait plus que de bonnes choses. Je suis bon, je le suis. Attention! Il faut croire en toi-même. Je ne porte pas malheur. Je te défie de me foudroyer. J'ai réussi! Ça, c'est bien vrai. Tu as terrassé ton pire ennemi, toi-même. Que voulez-vous? Je voudrais féliciter mon ami, monsieur tout va mal. Et vous aussi. Vous avez vaincu mon mauvais sort, ce qui signifie que vous avez appris une grande leçon vous concernant. Tout ce que vous toucherez ne sera plus jamais, jamais détruit. Le mal est parti. Le bien sera toujours. Regarde ta jambe. Il n'y a plus de bandage. Elle a guéri ma jambe. Elle a guéri ma jambe. Merci, merci, merci. Youpi, youpi. Bon, on s'en va, on s'en va. Jardin de tulipes restauré, youpi! Sorbet, sorbet! Pourquoi vous l'avez ramené? Je viens juste de réparer la nurserie. T'en fais pas pour la nurserie. Désormais, il ne porte plus malheur. Regarde, pas de petits nuages noirs. Et je ne le cache pas non plus sur mon chapeau. Je suis guérie de mon attitude négative. Rien de mauvais ne m'arrivera plus. Je rentre à la maison. Si le mauvais sort est vaincu, ça veut dire que mon village a été remis en état. Fais bon voyage. Il sera bon grâce à vous tous. Oh! C'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Il est juste un peu maladroit, c'est tout. Que veux-tu? Personne n'est parfait.